Madame, Monsieur, bonsoir depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélisère. Yon plaisir, yon l'autre fois encore pour ensemble, pour nous présenter yon programme en langue créole haïtien. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, Israël continue à mener attaque ni sous Gaza, ni sous groupe Hezbollah dans Liban. Pendant la Russie mandé pays dans la région Moyen-Orient, rete loin conflit Israël, Hamas et Iran. États-Unis, ancien président républicain Donald Trump retourne jodi a dans tribunal dans cadre d'un procès criminel qu'on y a eu dans phase formation yon jury. Haïti suspend ça a continué sous installation conseil présidentiel transition malgré deux arrêtés qui paraissent dans le journal officiel pays Le Moniteur. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour un petit moment. Actualité à mener d'abord dans le pays d'Haïti que côté conseil présidentiel de transition, d'après nouvelle, yo, eh ben, a multiplié démarches dans tête collée avec gouvernement démissionnaire là pour installation qu'a fait dans le jour qu'a venu là. Nous allons rejoindre correspondant dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Environ 24 heures après publication arrêté qui nommait membre conseil présidentiel yo, membre organe exécutif ça a multiplié rencontre yo dans l'idée pour préparer installation yo. C'est ça yon source nous capable faire confiance fait qu'on est. Pour qu'on gagne date exacte pour cérémonie installation dans palais national, ça ta doit fait dans prochain 3 à 4 jours le temps pour préparatif qui nécessaire yo fait selon sa source l'a souligné. Même sous cela, qui pas de venir dans le cité, fait qu'on est corps diplomatique là, à classe politique là, et même chef gouvernement CARICOM yo a invité dans cérémonie installation. De l'autre côté, nous apprenons tout, même conseil présidentiel là, déjà créé une commission passation pour voir 9 membres qui désignaient bon côté 9 conseillers présidentiels yo. Conseillers présidentiels yo déjà mis en place 4 sous-commissions pour planifier installation et passation pouvoir. C'est sous-commission, protocole, logistique, sécurité et passation dossier. Plus loin, contact nous a révélé que même CPA déjà voyé une correspondance avec 9 secteurs qui impliquaient dans la formation conseil présidentiel là. Côté lié vidéo, désigné à eux même chaque un premier ministrable dans le cadre choix prochain premier ministre là. Il m'a dit tout secteur femme, diaspora et la jeunesse pour soumettre eux même tout deux noms. Entité sa yo gen un délai qui relativement court pour soumettre choix yo. Yon nan pouvoir conseil présidentiel transition c'est nomination yon premier ministre qui pral remplacer premier ministre démissionnaire Ariel Henry. N'a pas rappelé 12 mars qui s'est passé là, docteur Ariel Henry t'a annoncé démission li dès que conseil présidentiel là installé. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et pendant ce temps, gagné plusieurs organisations sociopolitiques qui souhaitaient que les responsables ont fait un chit attendé. Puis précisément, Conseil présidentiel transition fait un chit attendé avec groupe Améo pour faciliter l'installation déroulée sans problème dans le palais national. Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Organisation jeune pour développement d'Elma, Rassemblement jeune progressiste d'Haïti, Unité jeune pour avancement pays, et groupement Liberté pour sa changer. C'est quelques parmi plusieurs dizaines de structures sociopolitiques proches famille Lavalas qui regroupent tête en bas chapeau Résistance pour Haïti que professeur Patrice Célestin a dirigé côté le partager l'idée comme quoi pour membre conseil présidentiel transition hein, t'a cherché joindre une formule appropriée à présumé bandit Améo pour favoriser installation CPA dans le palais national. Monsieur Sayo, pas oublier, même toujours dit dans le moment là, c'est le vent, c'est la pluie, c'est diffé. Ça, ce sont des forces naturelles, mon pas avec eux. Nous-mêmes, nous toujours évoqué au niveau ressources pour Haïti, quelle que soit la formule qui possible, pour les nouveaux dirigeants joignent, pour rejoindre ici avec eux, nous-mêmes, nous votons. Ça veut dire, si, pour conseil là, installé, préalablement, si même conseil, il faut que j'aie un couloir pour chiter avec eux, pour permettre de parler à, ok, nous jouons une possibilité pour qu'on sait la fête. Quelle fête? C'est pour la bonne cause, c'est pour le bien-être du pays. Bolivar Jean-Anderson, coordonnateur général groupement Liberté pour sa changer, souhaitait conseil présidentiel transition installé week-end même pour être capable de répondre à qui on s'est ri défi d'un coup. Question insécurité, question Grégoire, question rentrée des classes, là, question relouvri université dans le pays, question accès à soins médicaux, question fatra,
ça c'est le principe et c'est le principal et priorité pour les populations hein, vu que toute route nationale nous route secondaire tout barré faut conseil à venir avec une solution qui permet que population rive jeune souffle et vacuer avec occupation. En tout cas, c'est un dossier qui kembe actualité en Haïti qui n'a pas sur pour vous. Ouais, non, tout ça. Pour VOA Creole. Port-au-Prince. Donc, c'est plusieurs réactions qui ont sorti sous conseil présidentiel transition. Pour l'autre réaction, encore, nous allons rejoindre Fred Kaimit. Moun Port-au-Prince partage qui a sauté sous création nouveau conseil présidentiel transition Haïti. Qui a pour mission choisir un nouveau premier ministre, qui a pour choisir à CLI un nouveau cabinet ministériel. Après journal officiel PIA, Le Moniteur, Soti yon arrêté pour annoncer membres qui fait partie du conseil présidentiel là. Population ont espéré que le premier ministre Ariel Henry a démissionné après publication arrêté sous formation conseil présidentiel là vendredi 12 avril passé. Mais le premier ministre Ariel Henry, lui-même, t'a déjà annoncé dans la date 11 mars 2024 là, l'a démissionné, l'a gagné un nouveau premier ministre et un nouveau gouvernement. Le gouvernement que m'a dirigé a retiré l'école. Immédiatement après installation conseil ça, il a continué expédier affaires courantes jusqu'à ce que désigné un premier ministre et un gouvernement. Quelques membres de la population ont exprimé espoir, mais avec précaution yo, après Le Moniteur a annoncé non membres qui a fait partie conseil là. Parmi les gens, nous venons Oseus Franzi avec Johnny Walk qui est un professeur de l'école. Pour espérer que le conseil ça libéral fait mieux, libéral travail pour voir comment capable d'établir stabilité dans le pays, mettre sécurité dans le pays, parce que c'est ça la besoin, nous pas besoin pile, c'est stabilité, c'est sécurité pour nous capable de vaincre l'occupation nous. Mais nous t'as qu'à vivre dans le pays nous, mais instabilité. Et sécurité qui est là, rend nous la vie dure, ça fait qu'on survivre dans le pays, même qu'on survivre. D'après accord pour transition pacifique et ordonnée en diverses parties qui travaillent dans la formation conseil là, monde qui fait partie conseil là, pas doué en bas sanction Nations Unies, et yon doué d'accord avec déploiement force multinationale là. Et membre conseil avec membre gouvernement, pas capable d'en prochaine élection qui est pour dérouler dans le pays d'Haïti. Entre temps, plusieurs membres dans le secteur d'affaires haïtien, dans une lettre qui semaine ça, par le président Kenya William Ruto, t'es exprimé qu'elle saute qui gagne en retard pour déploiement force que Nations Unies a pillé. Et gouvernement Kenya promet pour prendre tête mission qui a gagné pour venir aider Haïti faire face à la sécurité violence gang armée. Merci Fred Kaimit. Actualité a mené nous dans Fort Liberté, toujours dans réaction concernant conseil présidentiel transition. Le coordinateur communal IPAM dans Fort Liberté, monsieur Francillon, cher enfant, salue arrivé conseil présidentiel transition. Jodelet Junior Saint-Ville, gain détail. Dans une interview li bay VOA Creole jeudi 18 avril 2024 là, coordonnateur communal initiative patriote marien IPAM monsieur Francis Locherenfant salier publication arrêté qui nommé conseil présidentiel là. Li di yo te fait proposition ça déjà depuis na Akon Montana. D'après monsieur Cherenfant, c'est un pas important nan route pour joindre une solution à crise pays a traversé depuis bien longtemps. Bien longtemps nous t'es poussant, c'est ça fait nous t'es en tant qu'association, organisation, nous t'es dirigé vers IPAM pour au moins nous t'es entré dans Montana et nous t'es fait une proposition. D'ailleurs, c'était correct. Et finalement, nous t'es proposé un collège présidentiel. D'ailleurs, nous qui en donnons, nous considérons la matinée, c'est des réserves pour payer. C'est des gens qui pas participé et dans craser payant. Faut dire ça. Coordonnateur communal IPAM nan, monsieur Francis Locherenfant ra possible pour le dire. Défi captain conseil présidentiel là en pile. Mais selon lui-même, conseil là ta doit considérer trois gros priorités sa yo. D'abord, on va d'accord pour conseil là aller entre tête baissée et en dedans et l'état ça que Ariel déjà détruit, c'est crime à droite, crime à gauche ou crime de sang, crime financier. Tout d'abord, faut une commission qui normalement fait entre missions pour contrôler
finances pays. Il faut qu'on bagay qui fait, faut tenir compte de la situation navi journée aujourd'hui, surtout insécurité, gang d'occupant pays. Et troisième grande décision n'attend, c'est arriver faire élection pour permettre que le président régissime montant dans le pays et n'attend pas une élection inclusive, démocratique et honnête. Jodelin Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté, pour VOA Créole. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, autorité immigration américaine voué tourner 52 citoyens haïtiens dans l'aéroport cap-haïtien. En pile dans yo fait connaître à Glonanger yo tourner Haïti. Un reportage Gérard Maxino. Il était vers zone midi comme ça lorsque premier groupe rapatrié te descend avion ça que autorité américaine yo te frété pour mener yo tourner dans l'aéroport international cap-haïtien côté. Plusieurs policiers étaient présents sous piste atterrissage. Coordonnateur régional, Office national migration ONM, Kerwin Augustin, fait connaître que ces 52 compatriotes qui tournaient jeudi 18 avril 2024 dans la ville cap-haïtien. Jeudi, États-Unis d'Amérique déporté 52 compatriotes haïtiens dans l'aéroport cap-haïtien. Il y a plusieurs, il y a filles, il y a garçons. Quitté en contravention avec la loi américaine pour des actions diverses. Selon responsable, ce n'est pas pour la première fois que l'autorité américaine voulait rapatrier tout dans l'aéroport au Cap. L'année dernière, au Cap, nous avons reçu près de 20 vols de déportation aux États-Unis. Des gens qui ont été sous la frontière Mexique qui ont fait tentative pour rentrer aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que ça a fait dans l'aéroport cap-haïtien. Plusieurs rapatriés ont fait connaître, ils ont sorti Texas après avoir fini de passer un petit bout de temps. Dans le pays Mexique. Moi, j'ai fait plusieurs mois que j'ai vécu en Mexico. Après une violation, j'ai quitté le Mexique, j'ai entré aux États-Unis. Quelqu'un de porté, posez peut-être une question. Qui ça vous parle faire en Haïti, un pays où j'ai quitté quelques mois avant? Comme c'est un pays, c'est déporté ou déporté, je suis obligé de vivre là-dedans. Mais, je suis retourné en Haïti avec Glonanger parce que moi j'ai quitté le pays, c'est parce que moi j'ai subi. Et on va qu'être bagaille. En Haïti, ça fait me quitter Haïti. Malgré ça, nous connaissons avec. Yonke qui bien serré. On se paye une bonne sécurité. Organisation internationale migration OIM, by chaque abattrio, yon enveloppe pour capable tourner la caillou. Gérard Maxino, cap-haïtien pour la FAD d'Amérique. Merci Maxino, ancien président républicain Donald Trump, te paraît jodi encore dans le tribunal dans New York. N'a pas retourné sur ce sujet ça dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer au tant que nous t'ai annoncé le nombre dans New York côté que ancien président républicain Donald Trump paraît dans tribunal jodi dans cadre yon procès criminel et yon nan niveau côté que y a formé et jury a. Nous gen sous place dans New York Valérie Saint-Louis. Donald Trump est arrivé dans le tribunal là pour quatrième jour pour assister au processus sélection jury qui a continué dans le jugement criminel ça que la justice dans New York a mené contre lui. Prosecuteur qui a travaillé sous jugement criminel contre Donald Trump là, demandé pour ancien président payer une amende de $3,000 à cause de 7 messages que l'a posté sur réseau social lui, côté que dit que lui violait l'autre babouquet ça que un juge tabali qui empêchait l'attaquer ou soit intimider témoin yo. Mardi passé à 7 mois jury a été prêté serment pour servir dans panel ça qui pourrait décider sous premier cas criminel contre un ancien président américain. Mais jeudi 18 avril là, processus sélection jury a été fait un petit campé. Les yon dans cette jury qui t'es gain temps choisi et qui t'es prêté serment, t'es éliminé après que l't'es avoué tribunal là que le pas croit que le gain capacité pour l'impartial dans premier cas criminel ça contre un ancien président. Membre jury ça qui éliminé, c'est yon infirmière. La justice qui est non jury confidentiel. Mais dame infirmière t'es dit que même membre famille ak zan milio t'es posé le question sous capacité pour remplir rôle jury. Révocation jury ça qui t'es 6 membres toujours sous panel là jusqu'à présent. N'a pas mis même jury yo nous joignent un ingénieur logiciel, un professionnel technologie information, un professionnel dans affaires la vente, un professeur anglais avec deux avocats.
Après que le terrain voit Algérie, juge Juan Merchant te bat journaliste dans le tribunal là, l'ordre pour pas rapporter réponse que candidat pour vinn membre jury au bail, les opposer aux questions sous travail, yo, patron actuel yo, ak ancien employé yo. Toujours manqué 12 autres monde qui t'a doué prêter serment comme membre jury. Mais juge l'a dit que le toujours espéré fait déclaration ouverte si jugement semaine prochaine aussitôt que yo joigne 12 autres membres yo. Pendant ce temps, ancien président Donald Trump t'est rencontré hier mercredi dans New York avec président polonais Andrzej Duda qui t'est commencé visiter aux États-Unis à une réunion avec secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Président Duda c'est un gros supporter Ukraine et il encourage Washington pour bail Kiev plus aide dans mitan invasion la Russie qui a continué. Candidat parti républicain a été recevoir président polonais Andrzej Duda dans un dîner qu'il a organisé pour lui dans Trump Tower. Dans le moment que t'a pour inviter de Mark Lia, Trump t'a fait louange président polonais. Il dit nous reconnaître monsieur ça, il fait un coquin travail. Peuple dans pays Pologne remel. Yo réellement remet où? Et c'est pas un bagage qui facile pour accomplir. Mais il t'a fait un coquin travail et puis ses amis personnellement. Nous t'es passé 4 gros années ensemble. Nous kage pour nous faire ça encore, oui. Merci tout le monde. Thank you very much everybody. Gen quelques observateurs dans pays Pologne qui étaient inquiétés que visite ça kay Donald Trump t'a ka affecté relation pays Pologne avec administration président Joe Biden. De toute façon, Donald Trump a fait face à 34 accusations criminelles pour faux dossier business. Li ka fait face jusqu'à 4 années dans prison si yo arrivé condamné. Même s'il n'est pas clair que juge Ataka choisi mettil derrière barreau qui veut dire dans prison, il est presque certain que Donald Trump pral faire appel contre n'importe condamnation que la justice tabali. Cas criminel ça c'est une cas poursuite criminelle que Donald Trump a confronté pendant que la gourmet pour l'ouest s'il t'a retourné à Chita sous chaise bourrée dans maison Blanchan. Mais il est possible que c'est pas le seul cas ça qui a été arrivé dans le jugement avant l'élection présidentielle en novembre prochain. Discussion légale à appel t'est la cause Rita dans l'autre cas que la justice retenue contre ancien président Donald Trump. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. N'abrite toujours ici aux États-Unis, Sénat a voté pour passer un papier à tique mise en accusation secrétaire de sécurité territoriale les États-Unis en parlant de Alejandro Mayorkas. Sergio Rodriguez, dis-nous plus. Sénat américain a voté pour rejeter l'article mis en accusation contre le secrétaire de sécurité territoriale Alejandro Mayorkas. C'est comme ça qu'il a été clôturé pour ce hier mercredi, à côté de accusé Mayorkas d'est-ce qu'il n'a pas bien géré les frontières États-Unis partagées avec Mexique. Là. Leader minorité républicaine dans le Sénat États-Unis, Mitch McConnell, a exprimé mécontentement parti l'IA sous dossier. Collègues, nous connaissons, nous avons obligation pour nous prendre le processus au sérieux. C'est ça seulement nous prêter amende. C'est ça l'histoire précédente exigée. Moi, t'encourager tout collègue nous pour prendre en considération sa constitution exigée. Dans ce sens, ça. Sénateur républicain État Texas, Ted Cruz, t'a abordé question en tout. Position président Sénat a demandé pour sénateur voter vite et pressé, une façon pour éviter argument sur point ça, et bien ça pas bon. Seule façon raisonnable pour résoudre question ça, c'est à travers débat qui prend en considération la loi qui est en vigueur à la constitution pays. Sous bon paio, parlementaire démocrate dit, Tikyo, pas un rapport à la Constitution. Sénateur Chuck Schumer, c'est président Chambre des États-Unis. Nous avons les républicains l'opportunité pour faire débat en public. C'est là ça doit être fait. Et ils pas d'accord. Nous avançons plus devant. Chambre des représentants États-Unis a voté avec une majorité tout mince en faveur de mise en accusation secrétaire de sécurité territoriale Alejandro Mayorkas. Député républicain a été plaint pour dire Mayorkas de refuser d'appliquer la loi immigration aux États-Unis. Du moins, c'est ça qui a révélé la mise en accusation. Pendant ce temps, Mayorkas dit l'absence très attention ni sous travail département li a fait dans le domaine immigration. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et puis, quand nous parlons de la région Moyen-Orient, qui est une région qui est très chaude dans l'actualité internationale, là, c'est comme ça, les États-Unis lui-même l'a annoncé, nouvelles sanctions contre l'Iran qui ciblait secrétaire économique avec programme drone régime. Nan. Et Jean-Robert Philippe, et sanctions, ça y est, t'as un rapport avec l'attaque que l'Iran fait samedi, qui se passait là, samedi pour vers dimanche, contre Israël. Là. Effectivement, Jacques, je dis à la dernière décision, ça a montré que l'Iran prend un veto avec la communauté internationale là, après l'attaque qu'il a fait sur Israël samedi passé. Là. En plus des États-Unis, il y a tout la Grande-Bretagne qui peut coller tout dans le G4 pour mettre sanctions sur l'Iran.
gagne tout Union Europe là tout qui lui même tout qui cap envisager pour mettre sanction tout sur sous question là et département commerce américain lui même lui annoncé non l'autre annonce il fait que lui même l'a imposé sanction tout contre Iran mais dans niveau que technologie qui pas trop élevé ça veut dire que autorité iranienne dit yo même yo capable des possibilités pour capable réévaluer encore et programme et missile nucléaire yo Jacques. Jean-Ursula Vladimir Poutine m'a des partis qui sont en conflit dans le Moyen-Orient pour éviter prendre une action qui est capable de déboucher sur une nouvelle confrontation et puis éviter des conséquences graves dans la région. Vous говорите в случае прямого конфликта, я и собственно и нынешнюю ситуацию не назвал бы косвенным конфликтом, да, потому что Porte-parole Kremlin Dmitri Peskov pas de répondre à question pour qu'on ait si oui ou non la Russie a supporté l'Iran tant que Bali assistance technique militaire si Zokat a gagné un conflit direct avec Israël. Monsieur Peskov parlait pour dire si n'a parlé de conflit direct entre Israël avec l'Iran, moi pas capable de qualifier le conflit actuel là comme indirect. Les consulats d'un pays détruit et eh bien il est capable difficile pour qualifier comme un conflit indirect. Sous question pour qu'on ait si oui ou non Téhéran était avec la Russie avant l'attaque samedi sur Israël, porte-parole là pas de lui faire aucun commentaire sous question. Mais il a ajouté, nous pas même voulu parler sous escalation conflit. Des contre intérêts Israël, Iran avec région en général. Fédération russe là était en contact serré, constructif avec Iran, même Jean n'a fait avec Israël. N'a mené un dialogue sur nécessité pour désescalader situation. Nous demandons à tout pays dans la région pour être loin du conflit. Well, look, it's right to be in here in Israel today to show solidarity after that appalling attack by Iran. We made clear. Bon, on parle ministre des étrangers britannique, David Cameron, qui a parlé avec journalistes dans Jérusalem, déclaré mercredi 17 avril là, déclaré Israël a pris une décision pour lui agir en réponse à l'attaque drone avec missiles balistiques Iran a lancé week-end passé à contre Israël. Chef diplomatie britannique là dit lui espérer attaque Israël là capable faire une façon pour conflit à pas dégénérer. Tension t'est augmentée dans Moyen-Orient depuis Israël t'est commencé opération militaire dans territoire Gaza dans mois octobre 2023. État hébreu avec allié tant qu'aux États-Unis pas jamais suspendre bouche l'ouvrir non seulement avec Iran mais tout avec groupe allié dans Liban, Syrie et Yémen. Département du Trésor américain, beaucoup de parle, a annoncé jeudi 18 avril là, nouveaux sanctions qui ciblent, dégradent et puis dérangent le programme drone iranien qui dévisait civils en Israël. Décision ça prend en réponse avec dernière attaque aérienne contre Israël. L'administration Biden a utilisé sanctions économiques au lieu de sanctions militaires contre le régime iranien. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, il y a un analyste qui dit que eh ben gan pile dans pays dans côté que on prend sanction contre compagnie eh ben yo même pas même dans sous juridiction américaine. Yon l'autre point d'actualité a pour un zambandi t'a utilisé pour simer la trouble dans population pays Pérou a eh ben autorité ont transformé zam yo te saisi pour année 2023 pour faire parc public ak gymnasium pour citoyens paisibles. Gentil Augustin Junior. Autorité dans le pays Pérou transforme métal qui sorti dans plusieurs milliers d'âmes yoté saisi pour faire un parc public avec un gymnasium dans Sid Lima pour prendre l'autre direction dans la bataille contre l'insécurité. Nous espérons que les gens pral servi avec parc là bien. Parc là te fait avec les âmes qui yoté fond après yoté fin saisi yon dans main criminel yo. Nous espérons que ça pral aide à diminuer le crime et puis faire parc là plus en sécurité. Autorité yo fait konnen yo te fond plus passer 6000 zam pour créer balancine ak machine pour faire exercice avec zam ke bandi yo te kon utiliser pour si mais la trouble nan mitan population. Yo te attaqué et intimidé moun ici là tout temps même si genyon l'école qui tout près ya. Moi pense que l'état bon pour yo bay zam yo kon utiliser pour faire crime yo yon l'autre alternative. Julio Peña qui c'est un résident qui content pour initiative ça fait qu'on est
Si zam sa yo pa detui, yap retourne nan men bandi yo encore pou yo continue créer problème nan mitan citoyen paisib yo. Si zam yo pa detui, criminel yo pral continue servi ak yo. Et puis à long terme, problème nan pa résoud. Tout zam yo saisi yo, yo dwe detui. Ça c'est seule façon pour empêcher zam yo al tombe nan men l'autre criminel yo. Ayer mercredi 17 avril 2024 là, Timoun ak gran moun te capable jwi nouveau équipement dans quartier San Juan de Miraflores, une zone qui pi affectée par violence dans province Lima. Dans l'année 2023, Pérou a détruit plus passé 21 000 armes, yo te saisi dans tout pays ya. D'après autorité yo, yo pral bâti de l'autre pack dans Lima ak zam yo détruit année passée ya. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et bien, jeudi, c'est jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause Femme. Et bien, Sandra Le Maire a présenté nous une jeune joueuse basketball qui soulevait en pile attention, en pile sensation ici aux États-Unis. Joueuse basket universitaire Caitlin Clark, ses nouveaux chouchous, Ligue professionnelle basketball femme États-Unis, WNBA, WNBA. Mamzelle sorti numéro 1 dans le tirage au sort, y a été fait chaque année pour choisir nouveaux joueuses. Caitlin jouait pour équipe université Iowa. C'est équipe professionnelle Indiana Fever qui était choisie pour venir jouer pour lui. Mamzelle dit, il était rêvé de moment ça, des puis il était dans l'école primaire. Well, I think the biggest thing is like the WNBA is so competitive right now. Every single time you step on the floor. Les dit quoi plus gros bagaille là, c'est que WNBA est très compétitif kounia. Chaque fois ou a joué dans match gain rival. Il y a en pile équipe qui chargée à talent. Contrat professionnel Caitlin Clark là valable pour 4 ans et il vaut au total 338 056 $ d'après document WNBA publié. Ça veut dire qu'il va toucher $76,535 en 2024, $76,066 en 2025, $85,873 en 2026 et puis $97,582 en 2027 si il décide de continuer à jouer pour Indiana Fever. Comparativement, choix numéro 1 Ligue nationale professionnelle messieurs yo NBA a Victor Wembanyama que équipe San Antonio Spurs choisit remporté un contrat $55 million pour 4 ans. Première année avec équipe là, il était entré $12,100,000 d'après SportTrack qui c'est une compagnie qui traque contrat athlète yo. Gros différence ça dans salaire mesdames yo ak messieurs yo soulevé gros palais en pile ici aux États-Unis. J'ai tout le monde te braqué sous Caitlin Clark pendant championnat basketball universitaire américain NCAA que américain y aurait les March Madness, Folie Masla. Équipe Caitlin n'a arrivé dans la finale là, 7 avril, mais était perdu devant Caroline du Sud, 75-60. Match final, mesdames, y a attiré chiffre record téléspectateurs, à savoir 18 900 000 moun, qui c'est plus passé quantité qui t'a gagné match final, messieurs, yo. Pendant les dernières 15 minutes, match a gagné 24 100 000 personnes qui tapent suivre. Mamzelle, pas quitté parler en pilio, découragé. Lydie était content de jouer le moment sélectionné avec famille, avec moun qui était toujours appuyé et lui paraît pour jouer. This is the most competitive league in the entire world. Less than 144 spots, so. L'idée c'est ligue qui plus compétitif dans le monde là. Bien moins que 144 joueuses, donc faut que jouer bien chaque soir. Et c'est exactement ça moi pas le fait. Mais c'est exactement ça moi t'ai fait pendant carrière universitaire moi. Quel que soit qui est ce qui était opposant, moi t'ai toujours paré et même genre avec même chaleur, même énergie. Moi quoi c'est pigo à tout moi gagner. Dans le moment m'a tombé encore dans WNBA. En attendant, marchandises qui portent nos mamzelles déjà à vendre, coupe à tes chaud. Pour Cause et Femmes, moi c'est Sandra Le Maire, VOA Creole, Washington. Et puis, merci Sandra. Et puis, mes amis, Bayern de Munich contre Real Madrid et puis Dortmund contre Paris Saint-Germain, c'est quart de finale. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme. Merci Fred Klein, merci Fred Kaimit, Jean-Marc Hervé Abela, Gentil Augustin Junior. Moi, c'est Jacques Labellisère. Bonsoir et à demain.
ou di mwes nan jou kap vini la yo. Est-ce que installation va faire pendant week-end non? Est-ce que c'est semaine prochaine que yo pral installer conseil présidentiel là? Mais laissez-moi dire que n'apprendre que de sous que n'ka fait confiance. Jeudi qui c'est exactement 18 avril 2024 là, gen un gros réunion qui a déroulé nan journée ça entre premier ministre et pour un petit bout de temps que Ariel Meté a géré pays pour lui qui c'est Michel Patrick Boisvert ensemble avec conseiller Sayo qui fait partie conseil présidentiel. Il y a une grosse réunion qui a déroulé là moment n'a parlé là et laissez-moi dire que conseiller il a déjà pris des dispositions, il a metté campé et quatre sous commission. Yo mette kapé 4 sous-commissions et 4 sous-commissions sa yo, ou jeune commission et ansi passe à son pouvoir, ou jeune commission logistique, ou jeune commission et sécurité, et ou jeune commission qui pral étudier un ensemble de dossiers. Ça veut dire que la cuite est toute baille. Bon, m'a dit moi en bois ici, oui. Mais tout ça fait, tout bagaille, mon commission qui est en amé. Tout bagay même conseil non mais parce que j'ai déjà pris de disposition et nous va continuer réagir, nous va continuer faire débat moi avec des Ibenes dans émission parler pour changement sous ensemble déclaration qui fait yo déclaration Jean-Charles Moïse, déclaration Leslie Voltaire et nous va regarder tout apprendre que Jean-Tel Joseph parler monsieur dit que jusqu'à présent ça fait conseil présidentiel ça c'est foulaille que lié. Peuple après été motivé, peuple été mobilisé pour que yo fait question révolution avec Guy Philippe. Est-ce que je dis peuple haïtien qui a continué à attendre révolution Guy Philippe là ou dis-moi est-ce que partisan et Bessap peuple haïtien est-ce que yo dit que yo pral continuer engager yo mobiliser motivé pour que yo fait révolution réelle. Et c'est là qu'on va regarder. Est-ce que moun ki di nan coup de cassation yo? Est-ce que yo bay vague? Est-ce que CP conseil présidentiel transition, est-ce que le remporter la mayol? Pabli m di nou, conseil présidentiel là, li pa légitime. Li pa gen légitimité populaire la donne. En tout cas, zanmete nou yo, ki an pile le point que on va faire débat sou yo, drame dans département grand de ce pays hein. Drame dans Jérémy, nous prenons le garde ça yo, et secteur privé, hein, relé en moué, que le pas capable encore, des Ibenes. Comment l'a dit mon frère? La situation, nous disons, nous faisons boss, nous comptons rejoindre dans le cadre d'émission, parler pour changement, pour venir informer les amis internautes qui branchent tout partout yo, tant qu'aujourd'hui, la situation dans le pays d'Haïti, malgré discussion dans le acteur pour mettre campé conseil présidentiel là, ou bien pour installer conseil présidentiel là, dans le palais national, divers acteurs qui toujours kembe bâton pèlerin yo en opposition contre conseil présidentiel CARICOM département d'État, je fais quoi qui pas refléter réalité haïtienne pendant divers leaders ou structures politiques qui étaient en opposition avec conseil présidentiel là, rejoignent, mais malheureusement, ça faut que j'en fais affaire à tout. Toujours gagner discussion sous table là pour permettre que l'on s'est installé. Charles lui montrer quels sont grands politiciens dans le déplacement qu'il fait pour adjoindre le conseil présidentiel CARICOM qu'il était qualifié de couleur sept têtes là en pile monde jugé comme incohérence, comme non honnêteté. Bon côté, moi Jean-Charles, gang Tiboitom qui a opéré dans le département la Tibonite dans la commune Gomon. Vixer l'argent ou machine qui a fréquenté Woutila. Machine qui a quitté et machine qui a quitté les zones là, nord-ouest, pour rentrer dans Port-au-Prince pays. Depuis ces gros bis ou bien gros camions qui a gagné pour quitter les zones là, pour rentrer dans Port-au-Prince, eh bien, Mounsayo doit payer 200 000 goudes chaque mois. Les personnes. Gros bis. L'autre dit gros bis. Est-ce que c'est gros bis compagnie transport ou bien gros bis jaune? Gros bus compagnie transport à gros camion qui a transporté marchandises pour rentrer dans la capitale pays. Ils ont fixé chaque mois qu'ils ont payé 200 000 gouttes. Pour l'autre petite machine, petit camionnette, ils ont fixé entre 40 à 75 000 gouttes chaque mois pour payer, pour traverser tout ce outil-là. T'as quasi que situation presque chaque jour, la vie est plus compliquée. Dans tout pays, les examens ont installé poste de péage. Cependant, la police continue à être impuissante.
et ouais des acteurs t'a demandé la police pour la police prendre disposition pour installer pour venir prendre pouvoir mais au pas jamais demandé à la police pour prendre toute disposition pour permettre que population cap vaquer avec activité dans différents axes routiers que net axe pratiquement contrôlé en dedans pays à l'inspection. Bah la passion belle, il passe en rose tout dans capital pays à c'est presque une minute stabilité et tout restant c'est courir mon yop courir dans Port-au-Prince. N'importe qui rumeur fait moun lever courir blesse personne craser koyo pour aller côté pour aller prendre refuge par rapport avec nek examio dans mitan capital là qui pas décidé chômer qui pas décidé suspendre faire zam chanter dans différents coins dans différents coins et vous fait quoi gain gros bouche l'ouvri entre vivre ensemble coup zam pas suspendre chanter dans mitan nek yo prenez des pouvoirs volants nek cap voler partager que doit mal fait. Et bien, ça la cause que les gens qui marchent gonflés dans la capitale là, et ça cause dans la zone Kafou aéroport, cartouche pas suspend chanter. Moun qui gen kay, tout collé, bon aéroport, les personnes ne pas suspend plein, malgré l'autorité dans l'État, dit, yo dédommage yo. Malheureusement, moun yo dit, pas de bagarre comme ça, et si bouda moun ki yo baye ou à les personnes, li papa régler en yé pour yo. Ça, le fait nous connaître, que situation, quand tu t'es déplacé, qui dans l'école, qui dans le refuge, n'importe côté où il y a, il pourra connaître des situations extrêmement graves parce que quantité moun yo pourra augmenter dans moun qui dans centre des réfugiés Blaise Peterson et amis internautes qui branchent tout partout mais cette nouvelle Blaise Info pas une nouvelle racine nouvelle Haïti tout simplement pour cap joindre information mais c'est ensemble pour ça à divers pour faire essentiel parler pour changement 8 ans junior espère donc que les amis internautes restent fidèles à travers l'émission ça pour continuer informer par contre sur l'autre point n'a ajouté l'autre point que vous gagnez après ça pour venir avec salutation pour les amis internautes qui branchent tout partout après salutation pour prendre direction là à droite on a joué Claude Naider Antoine avec Kelito qui dans la pas dit qui dans la porte tu es dormi à comment on lever le matin et magito pas ajouter que monsieur certain que vous parlez de ça c'est secteur privé affaires haïtien, le secteur patron haïtien, secteur patron haïtien, secteur privé, li rele en mouey, li mette 2000 nan tête, li rele en mouey, et pas capable encore. Li pas capable encore, et nan sens ça, li mande avec président Kenya, li mande avec Nations Unies, pour que yo dégage comme Jean-Jacques, pour permettre que mission multinationale soutien sécurité à haïtien, quel capable rentrer bin aider yo parce que depuis 29 février jusqu'à journée jodi hein selon secteur patron haïtien yo dit que yo fait de gros déficits yo fait de gros pertes nan sa ça yo dit clairement si que situation li pralé jeune pralé là yo pa gagné encore et yo pa takébé encore ça dit qui ça ça dit que jodi en zanmi internout mwen yo. Nous d'accord que dans le secteur privé haïtien, il y a un cycle que nous relè oligarques corrompus. Et oui, ils sont corrompus. Et oui, c'est eux-mêmes qui ont arrangé avec l'Occident pour assassiner le président Jovenel Moïse. Nous d'accord ça. C'est eux-mêmes qui ont arrangé, ils ont utilisé une équipe bonne traite, une équipe bonne conse, une équipe bonne équipe avec colonne vertébrale avec femme. La classe politique haïtienne, puis yote fait s'en rele, levé campé contre ancien président Jovenel Moïse. Et yote même fait s'en rele pays lok, parce que yote financé mouvement pays lok, dans intérêt yo. Mais je dis, hein, pas bien de je dis nous, pas toi Haïti ça, le que bateau haïtien a coulé, le que bateau Haïti a effondré, et quel que soit mon qui a un bateau ça, la coulé avec vous. Si j'ose te penser, parce que t'es été dans les hauteurs de Pétionville, ou t'es que gros murailles, ou t'es que gros château, ou t'es que pile caméra, ou t'es que pile agent de sécurité, j'ose, hein, dans je crise d'arriver là, ouais, mais tout ça a pas servi à rien, parce que, vitesse que insécurité a pris là, vitesse que bandit a pris là, ouais, que y'a pas de limite, y'a pas de bonne. Moun qui n'a pas de vision qu'on aimerait les biens, ça crée les bonnes, non? Là, je dis, lisier. N'est-ce pas, 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 limite. Mais pas oublier, c'est en grande partie nous-mêmes qui sommes dans le secteur privé, on ne peut pas généraliser. Mais c'est en pile là, qui sont dans le secteur privé, qui mettent ça, qui fait ça entrer dans le pays, parce que c'est eux qui sont pas privés, et eux qui font tout débarquement, ça ouvre dans le pays. Et puis, il y a alimenté le ghetto. Parce que il y a un commerce qui a fait examen dans le pays. Et nous avons j'ai clairement mis en nous. Et Jean-Robert Dorsena, qui lui-même sait exactement,
même CNDD, il était qui déclare. Il était dit que il y a n'importe 11 à 12 familles qui ont commis des armes en un pays. Et 11 à 12 familles, ça y est, et pas famille blesse, quand on a l'argent pour elle. Quand on a l'argent pour elle, 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 hein? Oui, mais quand on a l'argent petite soirée, nous y est, mais c'est de entités, c'est de éléments, c'est de particuliers qui en dedans secteur privé haïtien, hein? Et bien, qui ont même arrangé de mauvaise foi pour capable faire 2-3 000 dollars américains, et bien, ils ont arrangé, ils ont détruit toute une population dans la question, et bien, trafic d'armes en un pays. Mais pas de jamais penser si un jour que question insécurité y a alimenté dans ghetto, si insécurité ça t'a frappé pour yo. Je dis hein, nous d'accord que ça gagne là, c'est tout secteur victime de lui. C'est tout secteur qui a prend pas au moment. Mais secteur patron haïtien, n'a d'accord avec même. Nous font pile toi avec pays. Je sais nous gagne pas et nous qui dans le pays et nous gagne business en pays, c'est nous qui baise ça avec jeune garçon dans pays pour que yo capable